mes amis béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Et les nouveaux béliers qui découvrent ma chaîne, eh bien soyez les bienvenus puisque cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures avec la retraite et l'impératrice. On a de l'air, on a donc beaucoup de réflexions pour vous. On a des étoiles, donc ça traduit votre énergie. On a de l'émotion également dans votre intellect. Et puis, on a aussi de l'ancrage. Donc, il y a un peu de tout. Donc, on va voir un peu au niveau de vos énergies comment ça se traduit. Alors, vous rentrez sur le mois d'octobre avec l'énergie de la chevalier des étoiles. Ben, et là, on est typiquement dans le signe du feu, dans ce qui fait... que vous êtes un bélier, puisque vous avez envie de foncer, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, de faire un voyage, de partir. Il y a une espèce de dynamique et une motivation qui est assez confortable pour vous, puisque là, vous vous retrouvez avec ce que vous êtes à votre origine. Et puis, il suffit qu'il y ait une nouvelle passion, un nouveau projet qui se mette en place d'un point de vue sentimental, et vous êtes parti, vous avez vraiment envie de tenter, je dirais, le tout pour le tout, en fonction de l'impulsion qui se présente à vous. C'est vrai que la chevalier des étoiles est traduite comme un empressement également, comme quelque chose qui arrive rapidement, une forme d'impulsivité et peut-être même une forme d'arrogance. Hein, chez certains béliers, c'est ce qui pourrait se traduire. Alors, qu'est-ce qui vous détournerait là de cette envie et de la façon dont vous vous présentez là? On a la 6 des arbres. La 6 des arbres veut rappeler en fait que vous avez des obligations. Cette obligation-là vous vient effectivement de votre éducation ou de votre vie actuelle ou de ce que vous avez appris voilà, votre place dans la société, si j'ose dire. Et puis cette 6 des arbres, elle peut traduire aussi que vous pourriez très bien craindre d'aller vers cette nouvelle audace amoureuse ou sentimentale, dans ce désir de voyage, parce que peut-être que certains béliers ne savent pas trop où est la dose ou le curseur, si j'ose dire, entre le don et la réception des émotions. J'adore cette carte, ce qui traduit une femme, vous voyez, qui a la même couleur que le tronc d'arbre, qui est connectée à lui. Elle a les pieds ancrés à la terre et elle a les bras qui vont vers le ciel. Le fait qu'elle ait les pieds ancrés au sol traduit qu'elle se nourrit des énergies vitales de la terre, comme des oligo-éléments. Ça lui crée de l'amour, c'est de la nourriture, hein, l'amour, et hop, elle restitue le trop-plein, ou elle restitue ce qu'elle a pris, et en plus elle a donné la sienne d'énergie, elle la restitue au ciel. Et ça crée une abondance amoureuse. Et quand il y a beaucoup d'abondance amoureuse, eh bien ça peut s'écouler. Ça veut dire qu'il y en a assez pour tout et chacun. Donc de ce fait, si vous voulez, cette carte de 6 des arbres pourrait traduire le sentiment soit que vous donnez trop, soit que vous ne recevez, soit que vous recevez trop. Il y a forcément un déséquilibre dans le don ou la réception de la relation amoureuse. Et peut-être que vous voulez, vous, peut-être rééquilibrer cela, que du moins vous en avez pris conscience. Et c'est ce qui pourrait ralentir votre fougue, à vouloir partir de l'avant, à aller vers autre chose. Donc là, il y a une espèce de morale, si vous voulez, qui se traduit chez vous et qui consiste à dire « Oui, j'ai envie de faire ça, mais j'ai quand même des obligations qui m'imposent de rester dans telle ou telle situation. » Quel est le passé qui ressort de votre vie sur ce mois d'octobre? C'est la chevalier des cœurs. Il y a forcément eu un être autour de vous qui vous a appris à aimer subtilement, instinctivement, passionnément, quelqu'un qui vous a apporté en son temps probablement des papillons dans l'estomac, de la joie de vivre, de la gaieté, peut-être même qu'il vous a un peu manipulé pour obtenir ce que vous vouliez ou qu'il vous a appris à avoir un peu de manipulation pour attirer l'amour à vous ou lui vous attirer dans ses filets. Vous venez de ça. On voit que ce personnage-là, il n'a que de l'amour à proposer. C'est de la passion, c'est de la fougue, c'est le coup de foudre. Il a un cœur dans les mains, il a le cœur à l'emplacement du chakra émotion. Et bien évidemment, il a le regard ouvert, y compris ses ailes sont déployées vers le regard amoureux. Donc, vous voyez, c'est ça. On est dans la séduction. Vous vous souvenez de cette séduction passionnelle, de cette relation passionnante que vous avez eue. Et vous vous souvenez certainement que cette relation a certainement été beaucoup plus intense que durable dans le temps.
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cette relation passionnante s'est transformée en une relation durable et qu'elle s'est peut-être étiolée. On sait très bien que les coups de foudre ne durent pas dans le temps. Ça s'est étiolé et peut-être que vous êtes toujours avec cette personne mais que la relation est aujourd'hui déséquilibrée, que vous vous posez la question de savoir si vous partez ou si vous restez pour tenter de renouer une relation qui a pu avoir en son temps quelque chose de particulièrement idyllique. Pourquoi vous auriez ça? Eh bien parce que dans votre état d'esprit, on a deux cartes qui sont tombées, on a la reine des étoiles et la 10 de cœur. Ça veut dire que dans votre état d'esprit, vous êtes particulièrement équilibré et réparé, si j'ose dire. La reine des étoiles, c'est la personne, donc là on est toujours dans le signe de feu, c'est la personne qui est agréable, qui est aimante, qui sait ce qu'elle veut, qui ne sait pas toujours ce qu'elle veut, ma foi, mais au moins elle sait ce qu'elle ne veut pas. C'est une personne qui détient une vérité pour elle-même, elle est gracieuse, elle est belle, elle réunit la connaissance dans son cœur, elle sait ce qu'elle veut émotionnellement, et cette connaissance émotionnelle, elle l'a acquise dans son cerveau. Donc vous voyez, cette reine des étoiles, c'est celle qui a eu la chance d'avoir une forme d'illumination spirituelle sur elle-même par rapport aux autres et grâce aux autres probablement. Et cette vérité-là qui est induite ne peut plus partir. Ça lui donne de la générosité, ça lui donne d'une abondance. C'est une femme qui a probablement réussi dans ses projets de vie. En tout cas, ça lui donne cette vérité-là. C'est forcément ce qu'il y a lieu d'appliquer dans la vraie vie puisque vous l'avez dans votre état d'esprit. Et cet état d'esprit que vous avez là et qui vous permet d'être généreuse et qui vous permet de savoir comment faire pour être dans cette abondance d'action, eh bien, elle se traduit, si vous voulez, par le fait que vous vous aimez ou que vous commencez à vous aimer tel que vous êtes. On voit cette femme-là qui est couchée sur l'eau, c'est l'apothéose. Il n'y a pas un endroit de son corps qu'elle n'aime pas. Elle a conscientisé, je dis bien conscientisé, ce qu'elle a besoin d'avoir pour elle-même dans sa relation affective et amoureuse. Et ça se manifeste jusqu'en elle. C'est-à-dire que vous avez peut-être compris qu'avant d'aimer l'autre, il faut aussi savoir s'aimer. Mais pour s'aimer, il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on attend de l'amour. Donc vous voyez, sur cette ligne-là, on voit bien qu'il y a effectivement une nouvelle démarche amoureuse, probablement retenue par une forme de déséquilibre, qui est malgré tout dans votre tête équilibrée. C'est-à-dire que là, il ne manque plus qu'un curseur pour dire de mettre en œuvre, mettre en application ce que vous avez dans votre tête. Alors, pour ce faire, vous avez une très grande force, c'est la 3 des anges. La 3 des anges, c'est le moment où on est en capacité de clarifier ce qui se passe autour de nous et dans nous. Ici, la 3 des anges, c'est une personne, si vous voulez, qui ne sait pas forcément où elle en est intellectuellement par rapport à son environnement. Et elle va donc laisser circuler les énergies en elle. Elle va prendre tout ce qui vient de l'extérieur, elle va les intégrer en elle, elle va les analyser, les canaliser, mais sans les retenir, elle va les laisser circuler. Et le fait de laisser circuler ces émotions intellectuelles-là, comme ce que vous avez dans votre état d'esprit, va vous permettre d'équilibrer et de canaliser ce que vous voulez faire. On n'est pas du tout dans un état dépressif ici, on n'est pas du tout dans un état de conflit. Alors si, il peut y avoir bien évidemment des pensées négatives qui vous viennent de l'extérieur, mais votre plus grande force justement, ça va être de les entrer, de les laisser passer et de les mettre dans un tiroir qui va à l'émotion qui est contenue. Si une personne est désagréable avec vous, vous allez savoir dire qu'elle est désagréable avec vous et vous allez l'acter. Le fait d'acter cette émotion-là va vous permettre de ne pas l'imprégner, la transfigurer à ce que vous êtes vous. Vous allez pouvoir, si vous voulez, l'évacuer. C'est ça que ça veut dire. Vous n'allez pas faire d'une émotion négative la vôtre. Si une personne vous renvoie quelque chose de négatif, vous saurez lui renvoyer peut-être avec beaucoup d'amour, mais vous n'allez pas faire de cette difficulté intellectuelle la vôtre. Vous n'allez pas prendre, si vous voulez, le malheur de l'autre sur vos épaules. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment ça se matérialise dans votre présent? La 3 des arbres, vous voyez, ça fait 2-3. La 3 des anges, on est dans l'intellect. La 3 des arbres, elle vous demande, si vous voulez, une rigueur pour dire de mettre en œuvre tout cet amour, toute cette volonté de clarification amoureuse
dans votre réalité. On voit très bien ces trois arbres-là ici qui sont dans le brouillard. Et vous, vous êtes un peu dans le brouillard par rapport aux émotions des uns et des autres. Ici, avec la 3 des arbres, on vous demande de l'implication. On vous demande d'aller dans le détail, d'aller dans la compréhension des choses. Et pas seulement que dans l'intellect. On laisse circuler les mauvaises énergies, mais de ce qu'il en ressort, il faut que ce soit du bon pour que vous, vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Et il faut que ce soit une avancée positive, durable dans le temps, persévérante. Vous pourriez très bien vous faire aider par une personne de l'extérieur, un ami, de la famille, un thérapeute, qui sais-je, un médecin peut-être. Mais là, si vous voulez, à plusieurs, on avance dans le détail et on va vers cette espèce de lumière qui nous donne cette vérité. Donc, effectivement, quand on a un état d'esprit comme cela, on a envie de le traduire dans le présent et on se souvient de cette relation passée idyllique que l'on a pu avoir pour une personne. Vous savez, ça fait presque penser au complexe d'Œdipe. Vous savez, pour nous les femmes, alors pour les hommes il y a un autre nom, mais pour, il est communément connu sous le complexe d'Œdipe, la petite fille, elle voit son papa comme un dieu tout puissant. Et bien voyez, si c'est une relation ancienne qui revient là, et bien il y a un peu ces deux schémas-là qui s'imbriquent, c'est-à-dire qu'on a un côté paternaliste là qui ressort avec son papa ou cet être-là que l'on voit avec grandeur, puissance, un dieu tout-puissant. Et puis ben là, si vous voulez, vous êtes un adulte et vous rééquilibrez les rapports en vous disant ben non, cette personne-là n'était pas si puissante que ça. Effectivement, il y avait des choses à recadrer, à requalifier, des idées négatives, des pensées négatives. Et aujourd'hui, on va aller vers une vérité qui ne nous concerne que nous, qui nous permet de nous aimer à l'instar de ce que l'on est et d'avoir une vérité de l'amour qui ne vise que notre propre être. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre vraie nature. Alors, qu'est-ce qui ressort de votre moi profond, de votre spiritualité profonde, de ce que vous avez au fond du fond de vous, dans votre âme profonde? La chevalier des anges. La chevalier des anges, c'est la personne qui va beaucoup réfléchir, qui va beaucoup observer, qui va ranger, on le voit très bien, voyez, grâce à cette implication dont vous faites preuve sur votre présent. La chevalier des anges, elle va vous permettre de trier les affaires, les émotions et de clarifier effectivement toutes les situations qui vous entourent. Vous allez pouvoir prendre des décisions à travers, si vous voulez, cette analyse profonde que vous faites. Ça demande du courage, beaucoup de compétences, peut-être une forme d'héroïsme de votre part, si vous voulez, dans votre foi intérieure. Il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer dans votre tête. Vous allez peut-être vous souvenir d'événements dont vous aviez oublié. Donc, cela, ça veut pas dire que vous allez prendre les choses à titre personnel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette 3 des anges et cette 3 des arbres. Vous allez prendre toutes les données, mais toutes les données, vous allez pouvoir les trier, les ranger et vous permettre, si vous voulez, de rendre à César ce qui lui appartient. Et vous, vous ne garderez que ce qui vous intéresse. Donc, c'est une très bonne carte pour vous. Alors, votre plus grand défi, 2 arcanes majeures, c'est dire que vous avez un rôle primordial pour réfléchir sur vos émotions. Vous avez la retraite et l'impératrice. La retraite, c'est ni plus ni moins la carte de l'ermite qui vous invite à vous mettre en retrait pour comprendre le monde tel qu'il vous entoure. C'est un apprentissage. On voit très bien qu'il y a cette colline au bout, là, il faut la grimper, vous la voyez, vous savez que c'est le chemin, et vous, vous êtes encore dans le flou. Donc, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour comprendre la relation émotionnelle telle que vous la vivez, pour la comprendre par rapport aussi à l'environnement, pour faire ce fameux tri, et ce fameux tri nécessite un apprentissage. Et alors, cet apprentissage-là, il doit tendre vers quoi? Il doit tendre vers l'impératrice. Redevenez ou devenez cette mère nourricière dite de Gaïa, celle qui aime tout, qui sait que chaque chose dans son environnement a sa place, qui détient la vérité de l'amour et qui peut donner de l'amour à foison. L'impératrice, c'est celle qui est dans le jardin de la profusion, qui est dans le jardin de l'abondance, et si vous voulez, ça n'est que de l'amour. On vous demande, si vous voulez, par cette carte, ces 2 cartes du défi, d'apprendre à aimer sans demi-mesure, à aimer
en lâchant prise, en se laissant complètement porter par les événements, tout en apprenant et en clarifiant les idées négatives qui peuvent nous venir de l'extérieur. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre ? Eh bien, c'est pas mal du tout. Parce que bon, deux cartes sont tombées sur ce chemin que vous empruntez, la reine des arbres et la sept des cœurs. La reine des arbres, si vous voulez, c'est encore une reine, hein, donc aussi importante que la reine des étoiles. Et elle est aussi une émanation de la carte de l'impératrice. La reine des arbres, c'est la personne qui va s'aimer. La reine des arbres, c'est celle qui va s'ancrer. Comme vous disiez avec l'impératrice, elle sait que chaque chose est à sa place. La reine des arbres, elle est ancrée à la nature, comme Gaïa. Vous voyez, elle est un peu en dessous de l'impératrice. La reine des arbres, elle est la nourricière d'elle-même. Vous devez aimer votre corps parce qu'il vous nourrit, parce qu'il vous porte, parce que c'est celui qui vous permet de voir avec les yeux, qui vous permet de toucher, qui vous permet d'avoir les sens, l'odorat, l'ouïe, la parole et le goût. Vous voyez, tout ça, c'est votre corps qui le donne. Et donc, cette générosité-là, vous allez pouvoir la transcender pour vous-même et pour les autres. Et puis, ça suppose que vous fassiez des choix émotionnels. Soit vous restez dans un schéma de construction intellectuelle antérieure, auquel cas ben, vous n'êtes pas prêt d'aller vers cette abondance amoureuse, soit à l'inverse vous quittez une façon de fonctionner, une façon de penser. On dit adieu peut-être à ce côté oedipien, si j'ose dire, ou à cette relation un peu toxique que vous avez pu avoir, ou à cette relation que vous avez idéalisée sans forcément qu'elle soit toxique. Vous avez peut-être idéalisé la relation par rapport à l'homme ou à la femme, hein, en fonction du sexe que vous représentez. Et cette idéalisation-là, ben vous allez vous rendre compte qu'elle est faussée. Donc, on revient à une réalité, on se recadre, on se pose, et surtout, on va vers un amour réel, sincère, durable, et on devient effectivement cette mère nourricière, cette impératrice absolument extraordinaire. Voilà, mes amis béliers, je vais recouvrir le tarot avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et puis, vous allez pouvoir, si vous voulez me suivre après sur Vimeo, il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien, vous serez renvoyé sur la playlist de votre signe. Vous aurez alors le choix entre la location approfondie de cette vidéo ou alors un abonnement si vous voulez avoir accès à tous vos tirages, y compris généraux et sentimentaux des mois précédents. Voilà, les prix n'ont pas augmenté, c'est tout à fait dérisoire, donc c'est accessible, n'hésitez pas. Je tiens à vous dire qu'en dos de deck, vous avez ici la 6 de denier. La 6 de denier, c'est exactement la même carte que la 6 des arbres. C'est fou, hein, ce que l'on voit et ce qui se rapproche du tirage. Donc on vous demande, si vous voulez, d'équilibrer ces rapports. Rapports qui vous permettent, si vous voulez, de vous recentrer sur l'essentiel. Allez, on approfondit. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique chevalier des étoiles, où on a envie de partir, de tout quitter, de se mettre en avant ou d'être fougueux? Vous voyez, là celle-là, elle a sauté. Oh ben non, elle a disparu, donc je ne la mets plus. On a deux cartes qui sont tombées, donc je vais vous les mettre, la 6 d'épée et la 8 d'épée. Ouais, je ne suis pas étonnée que vous ayez ces cartes-là, parce que si vous voulez, c'est dans la continuité de l'impatience. On a la 6 des arbres. La 6 des arbres, qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cette justesse de recevoir et de donner, cet équilibre-là? Deux cartes également, bah dites donc, As de coupe et 9 de denier. L'As de coupe étant une nouvelle relation, hein, une nouvelle émotion. Du moins une nouvelle émotion. Ici, avec cette chevalier des cœurs qui vous vient de votre passé, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'initiateur. Vous avez vraiment appris de votre passé. Sur cette 3 des anges qui fait votre force, nous avons... C'est un très beau mois pour vous, hein, mes amis béliers. On a la mère de denier. La mère de denier étant exactement la même carte que la reine des arbres. Je vous en remets une tout de suite. Sachez aussi que sur Vimeo, il m'arrive très très souvent de rajouter des cartes. Hein. Quand je fais mon tirage, en fonction de ce qui me vient,
je rajoute. Ici, on a la 4 des épées. Ben oui, c'est une continuité, si vous voulez, de la 3 des, de la 3 des anges. Alors, avec cette 10 des cœurs et cette magnifique reine des étoiles, dans votre état d'esprit, on a la 7 de bâton. C'est parfait. On sent qu'il y a de la maîtrise qui se met en œuvre chez vous. Sur cette 3 des arbres, où on vous demande de vous impliquer, de persévérer, de faire peut-être preuve de créativité pour voir au-delà du brouillard, on a magnifique 9 de coupe. Parfait. Sur cette chevalier des anges, où on vous invite à l'observation et à ranger chaque histoire à sa place et à ne pas tout prendre pour vous, on a cette magnifique 2 de coupe. C'est réellement une relation équilibrée qui va se mettre en place dans votre moi profond, dans votre dans l'inconscient, si vous voulez. On va vraiment vers une relation équilibrée, douce, charnelle. Alors pour ceux qui sont en couple, là, ça pourrait même être qui sont déjà en couple et qui n'ont pas l'intention de quitter leur partenaire. Ça peut même être une nouvelle façon d'aimer, comme si on se redécouvrait. Alors sur votre votre défi avec cette impératrice et cette retraite, hein, cette analyse de vous-même, le pendu, vous allez douter, le pendu. Et enfin sur le chemin que vous empruntez, elle est déjà tombée, sur la 7 des arbres et la reine des arbres, on a la 8 de denier, c'est donc parfait pour moi. Ce n'est pas fini pour ceux qui me suivent sur Vimeo. Je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je dirais que c'est un tirage assez encourageant pour les béliers quand même. Hein. C'est vrai que c'est assez... c'est très agréable de voir que... qu'il y a une harmonie intérieure qui se met en place, quoi. Une harmonie des sentiments. Hein. Allez. Non, vous êtes à l'aise avec cette sensation-là. Hein. La seule chose, c'est vous douter sur votre défi. C'est l'apprentissage qui vous fait douter de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Elle saute. On a la carte du consultant déjà, dites donc. On a ici la 8 de carreau. Et oui, il y a de l'apprentissage, hein. Il y a la persévérance. Hein. Ouais. Et oui, je ne suis pas surprise avec cette 6 de trèfle. Hein. Le désir d'aller vers des nouvelles choses. Hein. Ça va avec votre énergie dans entrante du mois d'octobre. Ensuite, je ne sais pas, il y en a trop. Mais il m'en faut qu'une, je préférerais. C'est merci. Nous avons alors ici la vallée de trèfle, très bien. Et les deux prochaines. Elles sont sautées. La vallée de pique et la 3 de carreau. Je comprends pourquoi vous avez cette carte de 7 des choix quand je vois ces deux cartes-là. Parce qu'il est possible que certains béliers aillent quand même vers une séparation pour dire d'être cette reine des arbres-là et d'être dans cet ancrage-là durable. Alors, mes amis béliers, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'oracle du voyage de l'amour. Qui a été fait par Martine Nouvelière, qui est une créatrice, et qui vous invite à vous inspirer, si vous voulez, d'une couleur, d'une forme, pour dire de vous réénergiser avec l'influence des ondes colorées, l'influence que cela peut avoir sur votre organisme. On va voir si ça va être vert comme en dos de deck. Hein. On va voir ça. Ça a déjà sauté. Oh, magnifique. Magnifique carte où effectivement il y a de la lumière, un peu de couleur pastel dans les tons ensoleillés, dans les tons de la terre. Donc on se raccroche à la chaleur peut-être, chaleur humaine.
Voilà mes amis Bélier, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. J'ai vraiment hâte de faire votre tirage approfondi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner bien évidemment. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les sorties de mes vidéos. Et puis il y a le tirage général qui est sorti également. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage du mois de novembre. À bientôt mes amis Béliers. Bisous bisous.